On referme cette édition avec la revue de presse à lire à la une des quotidiens la recrudescence des attaques terroristes. Nos confrères font également cas de la reprise des cours et la levée du couvre-feu annoncé hier. Lecture croisée des journaux avec Aimé Solange Digma. La nouvelle est finalement tombée d'après les parutions du jour. Le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 est levé, indique le pays. Et c'est à partir de mercredi que la décision prend effet, précise l'observateur Palga. Levé du couvre-feu demain, 3 juin, renchérit aujourd'hui au Faso, qui indique par ailleurs que la reprise des cours au Burkina s'est effectuée dans le respect des mesures barrières et le ministre Ouaro s'est assuré du bon déroulement, rapporte le quotidien. Dans toutes les écoles, le dispositif de prévention contre le coronavirus s'est installé, souligne ce journal-là, même si l'observateur Palga constate de part et d'autre de bons et surtout de mauvais élèves. Si les mesures barrières sont respectées par les élèves de l'école primaire Gueswende Bala E, explique ce journal, ce n'est pas le cas de leurs aînés du lycée Philippe Zenda Kabouré, qui se font même des accolades. Ainsi, les petits frères donnent-ils des leçons de respect de la distanciation physique à leurs aînés du secondaire ? A-t-il relevé, quoi qu'il en soit, dirait le quotidien d'État, cette relance des cours est un grand pas pour le gouvernement. Aux enseignants de mettre de l'eau dans leur vin pour aider à tourner définitivement la page d'une année scolaire aussi difficile que celle de 2019-2020, suggère ce journal. Qu'à cela ne tienne, un vrai Covid là reste le terrorisme, soutient l'observateur Palga, dans la mesure où il tue plus que la pandémie tant redoutée et que des pans entiers de notre territoire échappent à tout contrôle, à tel point que des centaines de personnes ont battu le pavé à Pama dans la région de l'Est pour réclamer plus de sécurité, martèle aujourd'hui au Faso. Les habitants demandent d'ailleurs aux autorités qu'à défaut de les protéger, on leur donne les armes pour assurer leur propre sécurité.